précisément dans le cas de Washington. Alors, maman Marthe née. Maman Marthe née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais donc, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On y dit, mais qu'on a eu à ça, il s'est dit, bon, la Corée, la Yon, comme à bon, la Yon. Bon, la Yon, comme à bon, la Yon. Pour que ma bonne la Yon, alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et donc, t'es tout à fait, on n'a pas si moi. Sinon, vous voyez pas, sinon, vous voyez rien. Pour que tu comprennes, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, la Pino Moko, ma Coréenne, la Coréenne, la Coréenne, Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro politique aujourd'hui. Nous allons parler de la rentrée parlementaire, la rentrée fracassante de l'honorable sénateur à vie Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Nous allons aussi parler d'une loi, d'une proposition de loi faite par un député, pensée par un député national sur la laïcité. On va essayer un peu d'en parler de toutes ces choses, pourquoi pas parler de l'actualité aussi. Je reçois sur ce plateau l'honorable Tamboué Katamboué André, il est député national élu de Katakokombe, de PPRD. Il est avec nous aujourd'hui, on parle avec lui. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je vais très bien. C'est toujours important de recevoir certains députés, on va dire, des députés, parce que moi, nous avons un législateur et qui peut nous éclairer sur des questions qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas ou alors qu'on n'a pas la bonne information. Exactement. Pour moi, c'est toujours un réel plaisir de discuter avec les gens qui font la une de l'actualité dans le monde médiatique. Et vous merci. Vous êtes un parmi ces gens-là. Merci beaucoup, honorable. Parlons, vous êtes de Sankourou, vous êtes de Katakokombe. Aujourd'hui, avec les découpages et les démembrements, je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes devenu finalement? Nous sommes une jeune province issue effectivement du démembrement de l'ancienne province du Kasaï oriental. Nous peinons à émerger en tant qu'entité décentralisée ou régionalisée au sens propre du terme, en termes de facilité de rapprochement du pouvoir entre les gouvernants et les gouvernés. Nous peinons effectivement à décoller comme entité décentralisée. On dit que vous n'avez pas d'infrastructure de base, aucune école de référence, pas d'hôpitaux, pas d'aéroport. Quand je dis ces choses, c'est en fonction des références. Exactement, je ne sais pas. En tant qu'école de référence, je peux vous dire non. Nous avons des écoles de référence. D'accord. Moi, je suis formé au petit séminaire Nemototo, et qui a formé des grands noms de ce pays. C'est une école de référence. Jadis, c'était parmi les 10 meilleures écoles du pays. Okay. On n'en cite pas parce que c'est dans le monde très ecclésiastique, mais c'est vraiment des écoles qui existent chez nous. On a l'institution Okunji, mais c'est seulement peut-être en termes d'infrastructures modernisées, c'est peut-être là la grande question. Nous n'avons pas réussi à rénover la plupart des bâtiments qui nous ont été légués. Pourtant, vous avez de grands noms quand même, enfin, je veux dire des grands noms qui ont fait la pluie et les beaux temps. On parle toujours d'eux pour la plupart des cas. Les tétés là, c'est des gens organisés, c'est des gens sympas, c'est des gens qui cultivent, qui tout ça. Mais à la fin des comptes, Sankourou est dans le noir. Effectivement, nous avons manqué à beaucoup de nos devoirs en tant que contribution citoyenne à l'émergence de notre province. Mais cela ne veut pas dire que ces grands noms n'ont rien fait. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais parce qu'elles sont faites dans le cadre des actions individuelles, ça pose un problème de visibilité parce que ça répond à la limite des poches de certaines personnalités. Mais pourquoi vous ne vous constituez pas en une diaspora de construction, une diaspora de développement, en une diaspora éveillée pour impulser le développement? L'idéal, il est là, il est d'ailleurs très souhaité, mais je pense que vous connaissez que le contexte d'une jeune démocratie avec la pilulation des idéologies politiques, ça pose problème partout, pas seulement au Sankourou, mais dans l'ensemble de notre République, qu'il y ait une
l'unanimité sur certaines questions lorsqu'il s'agit des gens qui appartiennent à des différentes formations politiques. Mais alors, il faut dire, pour terminer ce dossier, est-ce que les grands noms ont participé de façon active, sinon dans la construction, mais pas dans les débats? Parce qu'à un moment donné, si vous voulez que je cite les noms, on entend la mère Mende, tantôt désavoué, tantôt apprécié. On entend Moïse Kanga, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, Ekanga. Ekanga, oui, tantôt apprécié, tantôt désapprouvé. On attend beaucoup d'autres noms, Choki Tundu, bon, je ne sais pas, mais on pose... Il y a aussi M. Isambo et bien d'autres. On se pose la question, mais pourquoi vous ne vous unissez pas? Est-ce que vos partis politiques vous divisent beaucoup plus que la tribu, beaucoup plus que l'ethnie, beaucoup plus que la volonté de construire Sankourou? À ce qui concerne l'attachement à des valeurs citoyennes, les Sankourois ont démontré ce qu'ils sont capables dans ce pays, déjà depuis la guerre pour la libération de ce pays du joug colonial. Vous savez bien ce qu'a été Joseph Okito et Patrice Emery Lumumba. Vous savez ce qu'a été le colonel Tchatchi, vous savez ce qu'a été le Kissa Sengando, vous savez. Donc, mais ces grands noms, effectivement, ils amènent ce que je peux appeler aujourd'hui des contributions personnelles. Ils n'ont pas réussi à créer effectivement une synergie dans la conception et dans l'exécution de certains programmes qui puissent ramener un certain niveau de développement dans la province. Mais je peux vous citer que chacun de ceux dont cité a une action sérieuse dans les coins. Et que ces actions étant des émanations de conceptions individuelles, ça ne répond pas à l'impératif d'impulser le développement au vrai sens du terme, parce qu'il s'agit des actions purement individuelles. Alors, ce qui est aujourd'hui souhaité, c'est qu'il y ait une synergie, mais nous ne réussirons pas à former l'unanimité. Parce que c'est partout que c'est difficile de l'obtenir lorsqu'il s'agit de questions, surtout que les gens appartiennent à des formations politiques différentes, avec les clivages artificiels qu'on crée aujourd'hui, opposition, majorité, majorité, cache, FCC, machin. Donc voilà, sur tout ça. Mais il y a des choses quand même que nous devons citer. Le Sankourou est la seule province qui a résisté au statu quo. Et le véritable appartenance s'est passé au Sankourou, même si nous en payons les pots cassés. Aujourd'hui, on dit que vous n'avez pas de route et que vous avez tout fait justement parce que vous étiez jaloux de Mende et qu'aujourd'hui vous payez son absence, on va dire ça. Il vous a tourné le dos, vous payez son absence. Non, je ne voulais pas dire ça, mais je veux peut-être dire que nous n'avons pas su mettre à notre profit le caractère consensuel des tickets qu'il faut organiser lorsque les élections provinciales ont été organisées. Alors, on n'a pas été assez dynamique pour réussir un consensus sur les tickets pour la gestion de la province. C'est ce qui nous amène à avoir fait notre dévotion à des individus qui arrivent pour la première fois dans l'arène politique et qui sont en train de tergiverser sur la manière de rassembler autour d'eux tout ce que le Sankourou a comme potentialité intellectuelle, potentialité dans la ressource humaine, dans les ressources humaines, pour permettre à ce que chacun amène son effort et que le concours peut permettre le décollage de la province. Nous le payons, mais nous sommes conséquents pour l'avoir fait parce que nous avons dit, nous disons non à un statu quo, à ce qui a été fait, qui n'était pas aussi bon. Mais malheureusement, cela... La douleur d'enfantement, nous sommes en train de passer d'une étape à une autre. C'est une transition fort terrible, mais nous sommes obligés de nous adapter et bien surtout d'être plus imaginatifs pour créer un cadre plus ou moins promettant. Alors, on va parler politique maintenant. Vous êtes député national, sur la liste du PPRD, on va dire. Absolument. Très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que l'on peut dire que le PPRD est égoïste au point de déranger tous les autres partenaires de la plateforme FCC? Absolument faux. Et je peux vous donner l'occasion ici de vous dire que, si vous regardez bien, le PPRD a donné le signe précurseur d'une des avancées démocratiques tant souhaitées par le peuple congolais depuis 1960. C'est le seul parti créé au pouvoir et qui accepte de laisser le pouvoir. Regardez notre histoire. C'est un jeu démocratique, c'est normal. Absolument. On n'en a pas eu avant. Il n'y a pas d'expérience antécédente. Oui, parce qu'on n'était pas dans une démocratie, c'est normal. On était dans une dictature après, mais on est dans une république maintenant. Est-ce que vous pouvez me permettre de vous rappeler que le PPRD est ce seul parti qui, avec l'alternance, laisse son ministre de l'Intérieur de la ville de Kinshasa passer sous le géole de la justice et être condamné? C'est celui qui est le premier à demander à son ministre, le préseyant du gouvernement central, de démissionner par respect à l'autorité de ce pays, que nous n'avons jamais trouvé dans l'autre camp, dans d'autres camps,
de trouver des gens capables d'être ce qu'on appelle sportifs, avoir un esprit sportif dans le comportement politique. Non, mais le cas du ministre, par exemple, que vous citez, le cas du ministre de l'Intérieur que vous citez, c'est une affaire judiciaire, on l'a demandé, on l'a arrêté. Vous aurez pu faire quoi, par exemple? Non, mais monsieur Christian, c'est sans ignorer, il y a des gens ici, les ministres de l'Intérieur national, demandent aux gens de ne pas marcher, sont partis, demandent aux gens de marcher, il y a mort d'homme, aucun issue judiciaire jusqu'au moment où on parle. Vous le savez très bien, les gens sont morts, les policiers sont tués dans la ville ici, devant tout le monde. On a vu que ce même parti demandait aux gens d'aller tuer les députés et les gens, les cadres des sociétés nommés. Je cite ici le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, M. Amis, qui est un ami, marchait en train de dire tuer députés, laisser policiers. C'est passé au une procédure judiciaire, c'est dans ce pays. Mais on peut perdre, quand on dit le PPD s'accapare, il s'accapare de quoi? Parce qu'il est le seul parti qui a toujours accepté de partager le pouvoir depuis 2006. On vous accuse, par exemple, de tout prendre. Quand il y a répartition au niveau du PPRD, vous prenez tout et vous ne laissez pas aux autres partis qui vous accompagnent d'ailleurs de survivre. Dans le taux de la répartition au niveau des gouverneurs, au niveau même des chambres du Parlement, vous avez tout pris. Le président du Sénat est vôtre, le président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale est vôtre. Finalement, on dit même les gouverneurs sont les vôtres. Alors on se dit, les autres partis font quoi chez vous dans l'OFCC? Il ne faut pas confondre. Lorsque les répartitions sont faites sur le poids politique, parce que lorsqu'on s'est réparti le poste, c'est sur la base de poids politique. Donc vous avez fait l'alliance. Est-ce que vous pouvez me permettre? Allez-y. Le poids politique, c'est le nombre de députés qui donnent déjà un quotient de répartition. C'est sur base de ça. Et le PPRD, ayant une certaine majorité, a droit à un certain quota plus ou moins important. Mais cela ne veut pas dire que le PPRD s'encapare de tout. Regardez bien la cartographie de membres du gouvernement. Vous allez trouver que des alliés occupent des postes de vice-premier ministre, notamment, au même titre que le PPRD. Pas des ministres, vous trouvez... Oui, il y en a des ministres tirés de toutes les sensibilités politiques du FCC comme du CASH, donc de la coalition. Quand vous regardez mais dans les institutions, regardez la cartographie des bureaux de ces chambres que vous dites. Regardez même la cartographie des provinces. Tous les gouverneurs ne sont pas PPRD. Non. Donc c'est dans l'opinion que les gens ont acquise maintenant l'attitude de vouloir. Quand on attaque les PPRD, c'est ce qui fait les succès et le buzz sur le réseau. Et tout le monde est unanime qui injurer Kabila, injurer les PPRD, critiquer ça, vous devenez célèbre sur le réseau et partant, vous devenez un homme proche de la population. Au que point, il faut que nous soyons conscients. On est chrétien, on est démocrate, on doit être tolérant et on doit être sincère et honnête. Quand on emmagasine ces attributs des citoyens, vous allez constater que le PPL, c'est un parti, malgré ces quelques difficultés que nous avons eues à nous harmoniser avec les aspirations profondes de notre population, pour lesquelles vous avez vu que nous sommes amendés. Nous avons accepté sportivement notre défaite électorale. Ce n'est pas donné à n'importe qui. On ne devrait pas parce qu'on vous accuse d'avoir boutiqué pour avoir la majorité parlementaire. Non, comment? Mais c'est encore là, M. Christian. Je vais vous rappeler parce que vous en revenez souvent, même dans certaines de vos émissions. Vous ne pouvez pas parler que la majorité parlementaire est boutiquée et la majorité présidentielle est authentique. Il n'y a pas de majorité présidentielle. Non, il y en a. La majorité populaire présidentielle, c'est-à-dire la majorité, quand le chef de l'État a réuni. A réussi à se faire élire, c'est-à-dire qu'il a acquis une majorité de suffrage. Oui, parce que c'est populaire, c'est une majorité présidentielle. Oui. Ça s'appelle comme ça. Ici, il y a une discordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Nous avons réussi à gagner la majorité parlementaire. Pourquoi? C'est logique. Regardez tous les partis de l'opposition depuis 2015. Ils s'occupaient plus d'attaquer Kabila pour qu'il ne se représente pas, plutôt que d'installer leur parti et d'avoir des gens dans tous les coins du pays. Alors que notre famille politique s'était bien intégrée dans le microcosme sociologique congolais et nous avons eu de partout au moins des leaders capables d'arracher quelques suffrages. Et nous sommes une majorité, ce n'est pas une tricherie, ce n'est pas non plus une honte, ça a été une majorité réelle. Parce que vous regardez de toutes les autres familles politiques, aucune famille n'avait... Par exemple, chez moi, dans mon territoire, il n'y avait aucun candidat de l'UDPS. Prenez par exemple ça. Ni de l'UNC. Dans mon territoire. Alors, comment vous allez me dire qu'avec un parti qui, dans beaucoup de territoires, il n'avait pas de candidat, il puisse avoir une majorité? Non. Arrêtons de croire que tout ce qui a été fait avant, avec Kabila ou avec les PPRD, c'était du noir.
C'est cette façon de se faire une publicité dans les médias, surtout avec nos compatriotes à l'étranger qui trouvent toujours dans leur critique avec Kabila, avec les PPRD, le seul moyen de se dire non, on devient politique, on devient honnête, non. Mais nous devons le dire, les PPRD a une majorité normale et travailler de manière tout à fait transparente. Alors, autant qu'on peut reconnaître que le président Félix Tshisekedi a été élu, vous devez aussi reconnaître que l'EFCC a gagné la majorité et sans tricher. Et c'est là votre excuse. Donc, si on dit que vous n'avez pas été élu, donc le chef de l'État n'a pas non plus été élu. Vous voulez qu'on garde cette logique? Non, ce n'est pas qu'on garde une logique. Je dis que c'est illogique de croire qu'il y a un qui a été bien élu et les autres mal élus. Pourtant, ils ne sont pas élus de la même manière, vous le savez. Non, tous. D'ailleurs, l'Assemblée nationale, vous pouvez vous rappeler, a une légitimité supérieure à celle du chef de l'État. Parce que le chef de l'État n'a été élu que par 7 millions de Congolais, alors qu'à l'Assemblée nationale, vous trouvez des gens qui ont voté d'autres candidats, mais qui sont élus. Nous avons l'honorable Martin Fayoulou qui a été élu. Il était candidat président, il était élu député. Tous ceux qui l'ont voté n'ont pas voté le président Félix Tshisekedi. Mais son siège est là, son épouse occupe. Autant d'autres, vous allez trouver qu'il y a des gens de la Mouka. Vous dites que l'épouse de Martin Fayoulou occupe le poste de Martin Fayoulou, le siège de Martin Fayoulou? Non, mais c'est sa suppléante. Donc, Vous dites que c'est sa femme qui est sa suppléante? Eh bien, absolument. Donc, Parce que vous êtes député, on prend ça pour vérité, on prend ça pour vrai. Non, mais on n'est pas ici en train de blaguer avec le peuple congolais, ni nos téléspectateurs. Je veux seulement vous montrer ici. Parce qu'on nous a dit que le siège a été rejeté, il a renoncé à son siège. Oui, lui, la personne qui a été élue, la rejette, non, refuse de cautionner. Mais sa femme l'occupe. Non. Ça, c'est une autre personne dont on ne peut pas parler ici. Elle a été candidate et suppléante. Différente de son époux. Clairement, l'ECIDE n'a jamais rejeté le poste. Non. N'a jamais renoncé à ce poste. Il faut voir. Celui que l'ECIDE a présenté comme candidat titulé a renoncé. Je ne vais pas faire ici le porte-parole de l'ECIDE. Je ne veux même pas qu'on mais on retient quand même que le poste revient toujours à l'ECIDE. Que vous puissiez comprendre que les 500 députés à l'Assemblée nationale ont une légitimité supérieure aux 7 millions de Congolais qui ont été élus. Que vous n'arrivez pas à expliquer convenablement. Pas du tout, pas du tout, parce que vous avez été élu. Oui. Mais vous n'avez pas été élu par 7 millions de personnes. Non, j'ai été élu. Et quand vous additionnez les électeurs de ces 500 élus, vous allez trouver qu'ils sont plus nombreux que les électeurs d'un seul élu que le président de la République. Non, mais maintenant, le président de la République a été élu partout. Vous, moi, je ne vous ai pas élu. Moi, je suis ici à Kine, vous avez été élu à Katakokombe. Lui, il a été, le président de la République a été élu. Est-ce que vous comprenez que le député n'engage pas la République, mais c'est l'Assemblée nationale qui engage la République? On veut bien, mais ce n'est pas la première institution de la République. C'est l'addition de nos légitimités, de nos suffrages qui fait de nous une institution dont le nombre de suffrages est largement supérieur à celui exprimé. Mais ça ne se calcule pas comme ça, malheureusement, honorable. Ça ne se calcule pas comme ça. Nous savons tous dans la Constitution que la première institution, c'est le président de la République, ce n'est pas l'Assemblée nationale, ce n'est pas le Parlement, vous le savez. Absolument. Alors, donc, on ne peut pas, on ne compare pas un député national qui a été élu par une circonscription bien donnée à un président qui a été élu par le nombre de tous les Congolais. Il ne faut pas dire le nombre de tous les Congolais. Parce que je vous dis, on estime aujourd'hui à 80 millions de Congolais. De Congolais. Oui. Et le président n'est élu que par même pas un tiers de la population congolaise. C'est un problème. Non, mais c'est le taux électoral. C'est vous qui avez fait ça, monsieur l'honorable. C'est vous qui avez choisi de partir de deux tours à un tour. Et en réduisant largement la légitimité du président. C'est vous. C'est pas à l'UDPS ou à aujourd'hui. Je pense qu'on risque de ne pas discuter sur le même terme. Ouais. Ici, je ne suis pas en train de juger le caractère fragile de la légitimité du chef de l'État. Je vais surtout la replacer sur l'institution Parlement, l'institution Assemblée nationale à laquelle j'appartiens. Ce n'est pas moi, André Tambo, qui vais comparer ma légitimité à celle du chef de l'État. Non. Je vais plutôt comparer l'ensemble de mon institution à celle d'une... Parce que moi, je ne fais pas une institution. C'est l'Assemblée nationale qui fait l'institution. Et le président de la République, en lui seul, fait l'institution. Mis sur le même pied, sur la même balance, vous trouverez que non. Le nombre de Congolais
qui se retrouve être représenté à l'Assemblée nationale n'est pas le même que celui qui se sent représenté par le président Félix. Moins de la moitié de la population congolaise ne se reconnaît pas au président Félix Tshisekedi. Oui, parce que la moitié de la population congolaise n'est pas allée au vote. Exactement. C'est normal. Non, même pour nous parlons le taux de participation. Il y a eu 38%. Voilà. 38%. Et même pour sur le 38% des participants, il y a, sur le 38%, il n'y a pas 50% qui font confiance au président. Comment ça, il faut confiance? Oui. Non, ils ont voté pour lui. Non, il a été élu à la majorité simple. Ouais. Donc vous devez le comprendre que c'est moins de la moitié de ces 38% qui ont participé. Oui. Ici, nous sommes dans les suffrages exprimés. Oui. Moins de la moitié de ces suffrages exprimés n'a fait confiance au président de la République. Justement. C'est une anomalie et nous devons tirer les conséquences de cette réalité. Et cette anomalie, vous l'avez engendrée. Acceptez-vous quand même d'avoir engendré cette anomalie? Parce qu'en 2006, on était tout autant, on était bien. En 2006, on pouvait réparer cette anomalie en allant au deuxième tour. Vous nous avez refusé ça. Parce qu'il fallait faire plaisir à Kabila. On est allé comme ça. Je dois vous rappeler que ce sont les tergiversations de l'opposition qui ont réduit les taux de participation, qui fait que le suffrage exprimé en faveur du chef de l'État soit de plus en plus minime. Vous allez vous rappeler que le président Kabila a été élu avec 48 quelque chose en 2011. 48% virgule quelque chose en 2011. Mais le président Tshisekedi, c'est un peu plus en bas. Donc, vous allez comprendre là qu'il s'agit plutôt du comportement de nos acteurs politiques, du comportement de nos familles politiques qui ils ne disent pas au peuple la vérité. Qui savait que le président Félix Tshisekedi allait participer à ces élections et devenir président de la République lorsqu'il parlait de transition sans Kabila, lorsqu'il parlait de rejet de la machine à voter, lorsque les gens devraient mourir parce que lui, M. Félix Tshisekedi, à l'époque, n'était pas nommé premier ministre à la place de Sami Badibanga. Pourtant, il n'était pas demandeur, honorable. Il n'était pas demandeur. Félix Tshisekedi l'a plusieurs fois dit qu'il ne fait pas la lutte pour être premier ministre, il fait la lutte pour être président de la République. Vous avez débauché ceux-là qui étaient capables, qui étaient faciles à débaucher, pas lui. C'est bon de dire que vous avez débauché. Mais vous pouvez comprendre que chaque fois, tous ces gens-là, ces grands noms, des gens comme Bruno Tshibala, vous n'allez pas le dire que le président Félix Tshisekedi est un combattant de l'UDPS plus que Bruno Tshibala. Vous n'allez pas le dire. Ce n'est pas parce qu'il est le fils biologique de papa Étienne Tshisekedi. Non, arrêtons de dire. Il est né quand le président père son âme, Étienne Tshisekedi, était PDG de l'AQ, était ministre de l'Intérieur, était ministre de la Justice, était ambassadeur. Oui. Il avait une carrière politique pleine. Oui. Et vous le savez bien. Il est né dans l'or. On veut bien, mais quand Tshibala était président, Étienne Tshisekedi était PDG, Tshibala était dans l'opposition? Non. Alors, c'est la même chose, non? Non, je dis ceci. Dans l'UDPS comme un combattant, vous n'allez pas mettre le président Félix. Je ne fais pas le porte-parole, mais je suis scientifique et j'aime être honnête. Vous n'allez pas mettre le combat. Je n'ai jamais vu le président Félix Tshisekedi en prison. Je ne l'ai jamais vu. Ah, donc pour être combattant, il faut être en prison. Non, je vous donne seulement des raisonnements puérils. Non, mais parce que c'est vous développez. Vous êtes dictateur, c'est tout à fait normal. Non, nous n'avons jamais été dictateur. Mais je dois vous demander de rectifier vos tirs en train de qualifier Kabila et même son régime d'être dictatorial. Ah, régime, oui, mais pas Kabila. On ne parle pas de Kabila, on parle du régime. Voilà, le régime dictatorial n'a jamais été celui qui donne l'alternance pacifique. Le régime dictatorial n'a jamais été celui qui donne les élections pluralistes. Le régime dictatorial n'a jamais été celui qui permet à tout le monde de compétir, qu'il y ait des députés de l'opposition et qu'il n'y a jamais eu pour les partis présidentiels la majorité absolue comme on le voit ailleurs en face de nous et même derrière nous quand vous regardez au Rwanda, les partis présidentiels ont la majorité absolue de faire former seul son gouvernement. Kabila en 2006, il forme l'alliance avec le plus farouche de ses opposants, le fils de Mobutu. Il forme l'alliance pour se faire élire et pour former le gouvernement avec Izanga Mobutu. Ce qu'on ne sait pas voir aujourd'hui. En 2011, il continue, il parachève son alliance avec le Palu pour former le gouvernement. Et aujourd'hui, même avec le président Félix, il accepte d'amener sa famille politique à une coalition forte. Mais il faut accepter que ça s'appelle non, l'esprit démocratique. Mais vous ne pouvez pas qualifier de dictatorial quelqu'un qui, toute sa jeunesse, il a vendu. Pour que le pays gagne la paix. Mais ce n'était pas gratuit. Il en sort avec Ingakat, il en sort être aujourd'hui l'homme le plus. Sa cité reste la Est-ce que vous allez dire que le président Étienne est devenu opposant, il est en sortie avec sa résidence à Limité? Est-ce que vous allez dire ça? Non, il a travaillé, il a un salaire, il a ceci. Est-ce que vous allez dire que le président Félix Tshisekedi, qui a à peine 2 ans, il s'est tapé aussi une résidence à l'extrême
orientale de la ville de Kinshasa. Non, c'est des atouts. Vous exercez certaines fonctions, vous avez à la fois un traitement digne d'ailleurs, et vous avez également certaines facilités de libéralité que des gens, des individus peuvent vous offrir, et des facilités de collaboration avec d'autres partenaires extérieurs qui peuvent, comme vous, Kingakati, aller voir la gestion. C'est notre institution, Institut National de Conservation de la Nature, qui gère Kingakati. Mais ça, vous ne dites pas aux gens. Si, mais on peut bien voir les conflits. Vous ne dites pas ça aux gens que Kabila a donné au pays Kingakati. Oui. Vous ne dites pas ça aux gens. Comment ça, il a donné au pays Kingakati? Non, mais... On paye, hein, on paye pour aller là-bas. Vous savez, non, on paye pour aller là-bas. On paye. Oui, mais c'est pas au profit de Joseph Kabila seulement. C'est un investissement de Kabila, mon profit aussi de la République. Ça, vous ne dites pas aux gens. Non, mais est-ce qu'on peut voir les états financiers? Oui, est-ce qu'on peut voir ça? Oui, mais c'est, à partir du moment où c'est un partenariat privé, vous ne pouvez pas nous deux ici sur le plateau, parce que nous voulons la tête de Kabila, nous voulons le rendre les plus démons de l'histoire, et en croire que ceux qui sont aujourd'hui, malgré qu'il y a des morts en Ituri, malgré qu'il y a l'insécurité, qui ça, au viol des gens à Kisesso, malgré qu'ils occupent la police, mais on tue la police. Ça fait 20 ans qu'on attend cette chanson. Honorable, vous n'êtes pas mieux placé de nous parler des morts à l'Ituri. Vous n'êtes pas mieux placé pour nous parler des cas de viol. On a vécu ça au Congo avec vous. Monsieur Christian, regardez vos tweets, vous particulièrement. Regardez ceux de notre nouveau président de la République, il y a 3 ans. Et posez-lui la question de savoir où est votre état-major en Ituri. Posez-lui la question de savoir, monsieur le président, mais ça n'a qu'à trop durer. Nous sommes ici à Kinshasa et on viole à Kinshasa une pauvre infirmière qui est en train de sauver les âmes. Monsieur le président. Ah, ça vous gêne qu'une femme soit violée à l'est du pays, disons ici à Kinshasa, mais ça ne vous gêne pas cette femme qui a été éventrée, à qui on a sorti les bébés dans le ventre. Ça ne vous dit rien. Non. La mort de Rossi Chimanga, ça ne vous dit rien. Thérèse Kapangala, ça ne vous dit rien. Rodrigue est enceinte, Alunikine abattue. Alunikine, ça ne vous dit rien non plus, on dirait. Ça me dit beaucoup de choses. Mais ça me rappelle seulement que toutes ces morts ont été imputées à M. Kabila. Mais aujourd'hui, lorsqu'il y a mort, on ne veut pas qu'on impute au président de la République. Mais on arrête c'est ça votre problème. C'est ce qu'on arrête. C'est ça je vous signale donc, 4 personnes qui ont été condamnées. Il y a des défaillances de notre police, M. Christian. Reconnaissons qu'il s'agit des défaillances de notre police. Oui. Lorsqu'il y a des défaillances de notre service de sécurité, reconnaissons qu'il y a des défaillances et qu'il nous faut un renforcement. Mais ne les plutôt pas à celui qui assume la responsabilité de l'État. Si nous le voulons, alors ramenons la même logique. Aujourd'hui, dites quelque chose, on vous déconnecte en conseil des ministres. Dites quelque chose, on vous dit non, monsieur, outrage au chef de l'État, une infraction matrice. Pour faire à soi la dérive. Vous ne le dites pas. Quand un pauvre papier au cola de l'UNC, je ne le connais pas, mais je le vois être condamné pour avoir proféré certains propos, et on le dit outrage au chef de l'État, il est condamné. Quand je vois M. Henri Maggi, un citoyen, un camarade du PPRD, condamné, et lorsqu'il y a le procès d'Henri Maggi, c'est tout le collège de conseillers du chef de l'État qui sont derrière. Et ça, vous ne dites pas ça aux gens. Lorsqu'on voit des gens violés, beaucoup de dames, 4 procès, je dirais mais 5 procès, des procès fleuves sur les questions des infractions sexuelles ici, sur certaines personnalités du monde religieux, et du monde musical aussi, qui, lorsqu'ils ont eu certaines tendances linguistiques, ils sont exemptés des procédures acharnées. Et ça, vous ne dites pas. Heureusement que je suis en face d'un juriste et journaliste. Merci, et vous vous rappellerez que toute la conscience nationale retient qu'avec l'arrivée du nouveau président, l'alternance est reconnue et acceptée, voulue. Les fractions de viol, les fractions d'atteinte à la pudeur ont été dénudées de tout sens. Alors, parce que lorsque celle-ci est commise ou sont commises par certains individus appartenant à je sais quelle famille. Et ça, vous devez le reconnaître. Très bien, je vous ai laissé parler parce que je ne voulais pas vous interrompre. Alors, je reviens sur une question. Parce que vous dites que vous n'avez pas répondu au sujet de la question des enceintes. Moi, je vous aide quand même. Bon, ça, je peux vous dire... qui était abattue à l'Inukine, vous vous rappelez. Oui. Ces étudiants ne demandaient pas le départ de Kabila. Oui. Ces étudiants demandaient simplement qu'on baisse les frais d'enrôlement. Oui. La police les a abattus. Aucune arrestation. Oui. Mais aujourd'hui, cette dame qui a été violée à l'est du pays, que je condamne avec la dernière énergie, il y a 2 arrestations, 2 condamnations à perpétuité. Ce qui n'a pas été le cas chez vous. Aujourd'hui, les criminels de Rossi circulent, ils sont libres. Vous désinformez l'opinion, M. Christian. Alors, donnez-nous la bonne information. Okay. À chaque fois qu'il y a eu des exactions de la police, il y a eu des procès. Et c'est pourquoi la différence aujourd'hui. Ici, on veut diriger les pays par les réseaux sociaux. Et ça, nous devons les dénoncer.
Monsieur Christian, aujourd'hui, les gens croient qu'il n'y a pas eu de procès parce qu'à l'époque, on ne prenait pas les affaires de l'État, ils les soumettent dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour faire la renommée d'un homme politique ou d'une famille politique, les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont payés. On en a vu avec les comptes Facebook, des gens qui sont payés, des révélations scandaleuses, des gens qui sont payés pour faire le buzz sur les réseaux sociaux. Les procès ne devraient pas être des procès sur les réseaux sociaux. Pourtant, il y en a eu. Après Hiroshi Chimanga, il y a eu des condamnations. Pouvez-vous nous donner le nom de la personne qui a abattu Hiroshi Chimanga? Comment il s'appelle? C'était quel grade qu'il avait? Non, je ne suis pas bien placé pour vous donner les grades des personnes. Non, ça existe. Moi-même, je suis avocat et vous le savez très bien. Si. Avec vous. Donc, j'ai vu les procès et les procès s'est déroulé ici à Bon Marché. Oui, donc, il y a eu des condamnations. D'ailleurs, on a cité une certaine dame comme suspecte. Elle a été auditionnée. Vous avez vu des condamnés. Il y a des je vais prendre. Incognito, hein, parce que non, pas incognito, c'est parce qu'à l'époque, on respectait le pays. La justice est une institution constitutionnelle. Vous ne devez pas prendre tous les procès. Alors, mettons maintenant le procès saute mouton à Kinshasa. Qu'on met aussi que ça soit un procès public. Mais c'était public pendant la télévision. Les procès des condamnations, bien sûr que oui. Saute mouton. Non, mais le procès de 100 jours. Monsieur Christian, vous allez mentir et vous serez déconsidéré. Saute mouton n'a jamais fait l'objet d'un procès public jusqu'à maintenant. Rappelez à l'opinion que les 100 jours non concernés. Que Vital Kamerhe, on a mobilisé la chaîne nationale. C'est lui qui a demandé, pas nous. Oui, c'est lui qui a demandé. C'est pas le peuple qui a demandé, c'est pas le peuple qui demande. C'est pas nous le peuple qui a demandé. Vous êtes juriste. Oui. Est-ce que vous savez que ce procès était incomplet et aujourd'hui qu'il suit son cours normal, laissons la justice faire son travail. Le fait de le médiatiser. Pourquoi on n'a pas médiatisé le procès du DG de la banque? Parce qu'il n'est pas congolais, il est parti, il n'est pas jugé. Vous le savez, DG de la Rabanque, il n'est pas jugé maintenant. Vous savez que le DG de Safrica s'est acquitté. Oui. Il est en liberté. Tous ont été soupçonnés. Vous savez que tout le reste des soupçonnés ou des inculpés dans cette procédure n'ont écopé comme peine que 3 ans de servitude pénale. Et M. Kamerhe occupe en plus de 20 ans de travaux forcés. Il 10 occupe ans d'illégibilité. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça vous intéresse? On dirait. Non, moi, l'affaire Kamerhe vous intéresse beaucoup plus aujourd'hui. Non, moi, ça ne m'intéresse pas comme politique. Ça m'intéresse comme citoyen. Je me demande, quelqu'un qui n'est pas éligible pendant 20 ans, vous lui ajoutez 30 ans pour la même infraction qu'une autre personne a écopée. Vous savez qu'en droit, la tentative et l'infraction consommée sont punies de la même. Exact. Donc, comment est-il que ceux qui ont consommé la même infraction écopée pour le même fait, 3 ans de servitude, d'autres voient même leur peine réduite, carrément effacé. Moi, je trouve ça sévère. Ça, c'est la justice. Non, je trouve ça aussi très sévère. Très sévère. Mais c'est la heureusement, c'est la justice. C'est une justice où, quand les mêmes justiciables demandent qu'on ait fait une descente sur terrain, on dit non, on doit d'abord vous condamner. Alors que vous savez que bien que les actes d'instruction, ils sont requis par le justiciable eux-mêmes. Mais ce qui n'était pas fait dans votre temps, à votre époque, est-ce que pouvez-vous nous rappeler un ministre en fonction qui a été arrêté pour détournement ou pour corruption? Un seul ministre que vous connaissez. Vous pouvez me donner un seul ministre arrêté avec Félix Tshisekedi? Un seul ministre arrêté pour détournement. Il y a Eteni Longondo de son parti politique, soupçonné les gens marchés, Moïbi Tomoni. Il a arrêté, mais même pas interpellé, s'il vous plaît. Il n'a jamais été déconnecté. Hein. Les ministres de l'Agriculture ont envoyé au Parlement les observations sur une proposition de loi. La ministre déléguée aux affaires sociales a envoyé les propositions au Parlement sans l'avis du gouvernement. Il n'a jamais été déconnecté. Mais c'est lui, lorsqu'il est du PPRD, il est déconnecté. On le présente comme les diables. On les propositions de loi MINA qu'on veut donner au ministre de la Justice des trucs. Alors qu'on voit finalement qu'est-ce qu'on voulait. Parce que Tunda, il est lucide, il est intellectuel, il est génie en termes de la maîtrise de ses fonctions. Il fallait qu'il parte pour qu'il y ait 150 ordonnances en un seul jour. Mais les chefs de l'État avaient un bon doigt ce jour-là pour signer 150 ordonnances le même jour. Et ça, c'est au niveau de la justice, de l'armée, de la police. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'indépendance de la justice, une armée républicaine. Non, ça ne me fait pas mal. Mais moi, je me rappelle tout simplement. Non, ça me rappelle tout simplement que les gens qui ont dit à Kabila que vous avez fait 10 ans de dictature, prennent Kabila aujourd'hui comme miroir. Oui, monsieur le président, vous avez fait ça, moi aussi j'ai fait. Oui, monsieur le président, vous avez fait ça, moi aussi j'ai fait. Oui, monsieur le président. Reconnaissons alors à ce moment-là que c'est Kabila votre idéal. Très bien. Alors, reprenons sur la question. Vous êtes honorable député. Absolument. Qu'est-ce qui vous empêche d'interpeller Eteni Longondo? Vous avez la majorité parlementaire. Pourquoi vous ne le faites pas tomber? C'est beaucoup plus simple que ça. Les députés, vous ne devriez pas en principe vous plaindre. Prenez vos dispositions, interpellez-les, faites-le tomber.
Alors, c'est ça. Merci de me poser cette question, oui. M. Crisson. Et nous sommes pendant, nous venons d'ouvrir une session parlementaire, oui. Où notre présidente a dit que ce sera une section budgétaire comme elle veut la Constitution, mais nous allons axer aussi certaines, inscrire aussi certaines actions de contrôle gouvernemental. Est-ce que vous pouvez vous rappeler que ces députés à qui vous demandez d'interpeller le ministre, est-ce celui que le parti du ministre Étienne Longondo en train de chercher pour tuer? Ils viennent au Parlement, ils sautent, ils escaladent la clôture de l'Assemblée nationale. Ils entrent, ils disent, non, devant le parti du chef de l'État, là, un meeting est tenu, nous irons là-bas. Et si quelqu'un parle, on s'en saisit. Alors qu'ils gèrent la police. La seule institution qui doit protéger tous les citoyens, c'est la police. Oui. Le parti de celui qui gère la police a laissé ces gens, ces militants, entrer à l'Assemblée nationale, menacer les députés. Et tout le monde a vu. Ces députés-là, vous lui demandez, allez prendre les gens de cette partie. Si déjà un de leurs collègues qui est avec eux, à qui ils ont donné une certaine confiance, ils veulent le retirer, ils en subissent. Que dit du ministre? Et je peux vous apprendre. Donc, que là, je peux vous donner des preuves. Des honorables députés qui, pour avoir déposé une interpellation pour un ministre, on lui a arraché les gardes. Immédiatement. Et qui? Ça, les gens, vous ne dites pas non, ça. Mais qui? Dites-nous. Mais ça, vous ne dites pas. Mais non. Qui? Dites-nous. Parce que quel est ce député? Parce que ce sont des dossiers qui sont dans les commissions parlementaires. Je ne veux pas tout de suite donner l'erreur. Mais je vous donne parce que l'opinion sait que c'est vrai. Oui. OK? OK. Même à votre niveau, là, vous le savez. Je sais bien, M. Christian. Aujourd'hui, vous devenez la vérité parce que vous soutenez le nouveau pouvoir et vous vous retrouvez. Oh, vous mais pensez... arrêtez de considérer que non, tout ce qui a été fait pour que celui que vous soutenez aujourd'hui devienne président, c'est du banal. Non! Considérez seulement qu'il s'agit d'une sportivité que vous devez d'abord commencer par encourager. Vous pensez que je soutiens l'actuel président? Moi? Oui. Je ne le pense pas. Tout le monde le sait. Et aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous en cacher. Très bien. Je vous le concède. Ne vous en faites pas. Et vous, surtout que vous l'avez vous-même dit dans beaucoup de vos émissions. Que je... Que vous soutenez Félix Tshisekedi. Non, nous soutenons les bonnes actions du président de la République. Moi, je ne soutiens pas l'individu. Même Kabila, je ne le soutenais pas. Ce n'est pas lui le problème. C'était la mauvaise gestion qu'on condamnait. Et on continue à condamner la mauvaise gestion jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez condamner les 100 jours vous-même? Que les 100 jours, appelez 100 jours du chef de l'État. C'est une arnaque. C'est une arnaque. Ah, le chef de l'État a arnaqué le pays. Oui, merci de l'avoir dit. Au moins ici aujourd'hui, vous avez été sincère avec les peuples congolais. Les 100 jours sont une arnaque. C'est une faute énorme. C'est une perte de temps inutile. C'était mal réfléchi, mal planifié, mal recadré. Et surtout qu'on a puisé sur les réserves stratégiques. En tout cas, c'était très mal organisé et le chef de l'État... Et le chef de l'État n'a jamais renvoyé un courrier à son directeur du cabinet pour lui dire « La copie que vous me réservez en me demandant de faire ceci, je ne vous ai pas donné cette autorisation. » L'avantage, c'est qu'il est en prison. Ça, on est administration. Non, l'avantage, il est en prison. Alors que le chef de l'État ne s'est jamais prononcé sur ce que Vital Kamer avait dit à son Parce que la justice devait faire son travail. La justice n'a... Mais oui, mais c'est pour ça que nous disons qu'il y a une justice à double vitesse. Comment ça, normalement. Si on était dans un pays syrien, on aurait dû voir au moins le porte-parole, le parsec ou l'avocat du chef de l'État répondre à quelques questions d'ordre administratif. Monsieur Kamere a écrit au chef de l'État à chaque fois qu'il écrivait aux autres institutions. C'est-à-dire qu'il lui a réservé copie. Il n'y a aucun accusé de réception contredisant ou suspendant la démarche de Vital Kamere. Moi, je suis juriste et sur ce, je reste honnête. Je ne le soutiendrai jamais politiquement. Je suis kabiliste lumumbiste. Ça vous fait quoi de dire kabiliste lumumbiste? Ça me fait une fierté d'avoir des jeunes qui sont conscients de certaines idées qui sont impulsées par certaines personnalités que le pays a arrangé dans son histoire et qui sont qui doivent être une fierté pour l'évolution de cette nation. Est-ce que kabilisme et lumumbisme ne se contredit pas? Oh, parce que là, nous avons c'est plutôt un mariage idéologique, donc je dirais même une unité indissociable. Mais pourtant, Lumumba ne prenait pas tout ce qu'on a vécu avec Kabila. Hein. L'impunité, la gabegie financière, l'insécurité, l'institutionnalisation du mal, on le sait tous aujourd'hui. L'insécurité, hein. C'est lui qui réunit un pays divisé en 22 morceaux. L'insécurité à celui qui permet qu'il y ait élection dans tous les coins du pays. L'insécurité à celui qui permet à tous les Congolais de se faire élus dans tous les coins du pays. L'insécurité, non, faut pas confondre les ratés. Vous confondez les ratés de l'administration sous Kabila et le réelles actions du régime Kabila. Vous les confondez souvent et généralement les gens vous aiment pour non, ça. Non, parce qu'au Congo et même dans la toile, les gens aiment les gens qui injurient, les gens qui voient tout en noir, les gens qui prennent Kabila pour démon. Comment vous en normal? Moi je ne trouve pas normal. Mais moi je reconnais aujourd'hui. Quel peuple vous aime parce que vous dites mal de quelqu'un?
Comment vous trouvez ça normal? C'est que le monsieur n'est pas bien. Si le nom de Kabila peut faire élire des gens, c'est que Kabila a fait beaucoup de mal aux gens. Est-ce que vous pouvez rappeler à ces peuples-là qu'ils ont aimé des gens qui tout le temps ne les ont envoyés à la mort que parce qu'une personne devrait avoir un poste? Vous ne les dites pas et vous ne focalisez pas. Non, est-ce que vous avez... La question n'est pas celle-là. La question est celle-ci. Pourquoi, comment vous trouvez normal que les gens trouvent, permettant la tautologie, normal que vous vous attaquez à quelqu'un? Donc, cette personne-là n'a pas l'adhésion du peuple. Aujourd'hui, si vous accusez Félix, vous insultez Félix Tshisekedi, vous insultez Martin Fayoulou, le peuple se soulève. Vous le savez. Ils vont dire non, Kossimbaïté. Mais pourquoi quand on insulte Kabila, tout de suite on devient député, on devient célèbre? Comment vous expliquez ça? Merci. Si le peuple n'avait pas l'adhésion à Kabila, ce peuple-là ne voterait pas les gens qui soutiennent Kabila. Première des choses. Deuxième chose, si le peuple n'avait pas d'adhésion à Kabila, il n'y aurait pas de réaction lorsque on brûle l'effigie de Kabila, on brûle l'effigie du chef de l'État. Il n'y aurait pas ces réactions-là. S'il n'y a pas ces réactions, on ne verrait pas Kinshasa inondé, être inondé par des centaines de milliers de Congolais, de Kinois à Kinshasa, là où les gens se croient plus populaires que tout le monde. Mais le peuple que vous appelez, c'est le peuple qui va détruire, c'est le peuple qui va tuer. Avec la marche la plus courte, de 12 minutes, c'est ce qu'on a dit. On nous a dit que vous êtes parti de Pont Gabi, vous êtes parti de Koïdro. J'ai marché. Est-ce vrai? Monsieur Christian, oui, dites-nous le vous êtes honnête. Oui. Et je peux vous reconnaître. Merci. Pouvez-vous me dire que vous faites la marche à pied, même si vous êtes en train de courir, de Saint-Raphaël, arrivé à Pont Gabi, vous ferez 10 minutes seulement à pied. Lorsque vous savez que non, la marche normale de santé, 5 km égale à 1 heure pour un marcheur normal. Hein? Les statistiques, c'est comme ça les calculs qu'on nous fait. Vous pouvez nous dire ça. Il ne faut pas prendre tout ce qu'on appelle les réseaux sociaux et commenter des critiques et vous les prenez pour des a priori. Je vais seulement vous dire qu'au moins une fois, les gens étaient conscients qu'à Kinshasa, il y a des gens qui peuvent venir marcher pour soutenir les partis qui soutiennent Joseph Kabila. Non, ici les partis ne soutiennent pas Joseph Kabila. Ici les partis soutiennent les idées de Kabila. Et les idées de Kabila qui vont quoi? Soutenons les institutions, marchons dans l'alternance, renforçons la coalition, soyons sincères dans la coalition, évitons de tromper les peuples avec des jeux entre les FCC cash et qui fait perdre. Il n'y a pas de création d'emploi, il n'y a pas de paiement de salaire de nouvelles unités, il n'y a pas ceci. Et nous prenons tout le temps de marcher pour ça. Il faudrait qu'on enlève vers Mukongo pour qu'il y ait un Kadima. Il faudrait qu'on enlève quelqu'un du centre national des réfugiés pour y ait quelque chose. Il faut qu'on arrête ces choses-là. Est-ce que vous ne versez pas de l'argent? Il ne faut pas qu'on ait pas que dans la justice, tous les grands postes sont réservés à une sensibilité ethnique. Ça, il faut qu'on refuse, M. Christian. Dites-le, M. Christian. Est-ce que vous pouvez vous rappeler qu'à la Cour constitutionnelle, on a nommé 3 juges qui parlent la même langue maternelle? C'est mal. À la Cour constitutionnelle. C'est mal maintenant? C'est contre la loi. Vous êtes juriste, non? C'est contre la loi. Vous mettez la justice dans l'histoire de vos histoires de tribunaux. Non, je dis c'est contre la loi. On ne met pas la justice. Mais qui l'a mise? Ouais. C'est celle qui n'a pas respecté la représentativité prônée par la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Non, mais il faut dire. Et ça, il faut le dire, oui, monsieur Christian. Oui, il ne faut pas qu'on ait peur. À ce moment-là, la tenance n'aura servi à rien. On n'a pas voulu du candidat de Kabila pour qu'on vive mieux. Et moi, je suis conscient et je demande pardon au peuple congolais. Nous n'avons pas été très utiles à Joseph Kabila parce que Joseph Kabila avait des bonnes idées. Mais nous, ce n'est pas moi, je n'ai jamais géré sur certains de ses collaborateurs. Il a déjà dit qu'il n'avait pas 15 ans. Nous n'avons pas aidé à tout mettre en œuvre ce qu'il avait comme idée lucrative pour ce pays. Mais nous avons plutôt réussi à créer une distance entre Joseph Kabila et la population. Nous avons pris conscience et nous revenons vers vous en vous disant, nous comprenons mieux vous un diable que vous connaissiez qu'un ange que vous n'avez pas su découvrir et que vous voyez maintenant. C'est ce que nous voulons dire au peuple, à vous, monsieur comme quoi, vaut mieux Kabila que vous connaissez que Félix que vous ne connaissez pas. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ça? Non, j'ai dit, vaut mieux. Si aujourd'hui Kabila nous dit que le candidat de la coalition sera Félix, nous allons le voter parce que chez nous, ici, c'est l'intérêt de la population, c'est la passion du Congo qui anime Kabila qui nous intéresse. On peut évoluer. Alors, si cela peut être la meilleure façon de garder l'unité, la souveraineté du pays, c'est bon. Mais il faut qu'on évite qu'on fasse de Félix Tshisekedi un président tribal. Non, il faut qu'on évite ça. Il faut les dénoncer, M. Christian. Vous les voyez, vous êtes juriste. Regardez la mise en place dans les juridictions. C'est une honte. Et alors, très bien, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu que vous puissiez nous dire aussi comment c'était avant. Mais ce qui est vrai, c'est qu'une erreur, on ne la corrige pas. Ce qui était avant, c'est que Kabila a été ce président qui avait un pire dans toutes les provinces. Un pire dans le Lingua Bakinoa. Pire, Master, dans chaque province, Azanaï.
Ce qu'on n'a pas encore vu. Très bien, on évolue. Vous avez dit tout à l'heure, dans une, au cours de la communication, que Joseph Kabila a permis à tout le monde d'être candidat. C'est ça ce que vous avez voilà. dit. Est-ce que vous pouvez dire ça devant Bemba? Est-ce que vous pouvez dire ça devant Katumbi? Est-ce que vous pouvez dire ça devant Mozito? Ok, je peux le dire de la même manière et avec une fierté nationale qui n'est que pas, sans remords. Je le dis pourquoi? Parce que ce n'est pas Joseph Kabila qui a rendu invalide un ticket, une candidature, quoi que ce soit. Les gens cherchent à imputer. C'est comme aujourd'hui là. Est-ce que si on dit que Félix Tshisekedi vient de rendre, Vital Kamerhe invalide pour le ticket 2023, vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter. Pourquoi vous voulez les coller à Kabila? Reconnaissons autre chose. Si vous voulez dire que la justice devrait être indépendante maintenant, pourquoi vous ne voulez pas dire que ce que la justice avait, a fait avant était aussi de l'indépendance? Mais dites alors, dans ce cas, que ce n'est pas lui qui a permis à tout le monde de voter. Parce qu'il ne peut pas permettre aux gens de voter. Et quand, quand les gens votent, c'est lui qui permet. Quand ça ne vote pas, ce n'est pas lui qui empêche. Il a permis parce qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Oui. C'est à ce titre-là qu'il a permis que chaque institution fonctionne comme il se devait. Et c'est ça qu'on dit. On ne dit pas le contraire. Et ça, aujourd'hui, lorsqu'on dit de Kabila, non, c'est faux. Mais lorsqu'on veut dire de Félix, là, vous acceptez que c'est vrai. Non, comment ça, c'est vrai? Oui, c'est comme ça que vous êtes, M. Christian. Non, là, vous m'accusez pour rien. Félix Tshisekedi est président de la République. Il est votre président. Ouais. Il est le président de Joseph Kabila. Nous étions les premiers à le reconnaître. Oui. Il y a des États, comme la Grande Bretagne, n'ont jamais reconnu le président Félix comme président élu. Mais ils sont morts qu'il est président du Congo. Il n'est pas maire de la ville de. Merci, mais alors, quand vous faites. La vedette de Amer, c'est un ambassadeur devenu ambianceur à Kinshasa. Il est le président aussi des États-Unis. Quand on doit prendre notre chef de l'État, on va les traîner aux États-Unis 2 semaines. Ça contente l'opinion. Ça, c'est des bonnes choses qu'il fallait attendre pour l'alternance. Et ça, vous ne dites pas. Ça a servi les finances du pays. Vous ne l'avez pas dit. Je veux dire quoi? Vous avez dit, vous êtes juriste de mon affaire. Il disparaissait dans ce pays, il faisait des temps et des mois et des mois, on ne le voyait pas. Et quand il apparaissait avec une barbe blanche. Ouais. Qui ne le sait pas? Kabila disparaissait. On au pays en train de travailler. Ça, c'est ça. Est-ce que vous le voyez parler? Lui-même est sorti du pouvoir. Il croit que la parole est sacrée. Oui. Il sait qu'avec la langue, vous pouvez tuer. Il sait qu'avec la langue, vous avez vu, le président de la République a commis un désastre diplomatique avec son sortie médiatique sur Israël. Oui. Aujourd'hui, il a du mal. L'année prochaine, il doit présider à la destinée de l'Union africaine. Oui. Mais ça met mal à l'aise certains pays de l'Afrique. Donc, vous voyez que le fait de parler, le président de la République a commis une bourde aussi médiatique avec son affaire de la légitimité, c'est pas de COP. Donc, vous considérez que parler, c'est toujours bien. Non, parler, il faut parler toujours quand c'est utile. Et Joseph Kabila, sa magie, c'est quoi? C'est le silence et l'agir. Oui, le silence dans les finances, le silence dans le meurtre, le silence dans le massacre, le silence dans la pauvreté, le silence dans l'insécurité. Bon, ça, c'est vrai, il était le silencieux, c'est vrai. Non, il était silencieux parce qu'il fallait d'abord trouver solution à tout ce qui ne va pas, que vous citez là. Malheureusement, mais il est parti à tenter de trouver solution, mais son temps constitutionnel est arrivé. Il était honnête de rester là où il est arrivé. Il est quand même arrivé à quelque chose. C'est d'avoir permis à un opposant de devenir président sans qu'il y ait mort d'homme. Ça, vous ne le dites pas. Si. Il faut le dire, M. Christian, sois honnête. Si, on reconnaît. Dit ça. On reconnaît. Ok. Il faut quand même le reconnaître qu'il a unifié ses pays. Bon, unifié, non, peut-être pas beaucoup. Hein. Il a géré les pays avec 1+4. Oui. Il était le plus jeune, vous vous rappelez. De tout l'espace présidentiel, il était le plus jeune. Oui. Donc, il avait ses aînés et des gens plus expérimentés que lui en politique. Oui. Alors, est-ce que ça, ce n'est pas des mérites? Ce sont des mérites. À 30 ans, vous faites ça, ce n'est pas moindre. Hein. Reconnaissons, nous deux, nous sommes jeunes et nous sommes juristes. Oui. Reconnaissons que ce sont des réalisations. Oui. Est-ce que le pouvoir reconnaître qu'il a implanté toutes les institutions de notre constitution? Ça, je reconnais. Ah, mais voilà, on a au moins 2, 3, 4. Oui. Et la Bible nous dit, dans chaque homme, il y a plus de choses à admirer qu'à critiquer. Oui. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes religieux, enlevons l'épithète chrétien, nous sommes croyants, nous devons reconnaître en Kabila ce qu'il a fait de méritoire. Combien de chômeurs Kabila a laissé au pays? Si je dois raisonner par l'absurde, combien de chômeurs ont trouvé l'emploi aujourd'hui après 2 ans seulement? Non, mais moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est de voir le président Félix Tshisekedi faire comme François Hollande, avoir une présidence et puis à la fin tirer les conséquences. Ça, je veux le voir. Comme Joseph Kabila, après 2 mandats, il a tiré les conséquences.
Et ça, ça doit être comme ça, et c'est ça qui va faire marcher notre démocratie. Ça, vous ne répondez pas. La deuxième question. Non, je ne refuse pas de répondre, parce que moi, je n'ai jamais géré. Je ne suis pas le ministre de l'Emploi et Prévoyance sociale. Alors. Mais les statistiques, nous savons tous qu'avec de 2012 à 2016, le taux d'emploi, de chômage a sensiblement baissé. Nous sommes partis de près de 80% à moins de 70%. Alors là, ce sont des chiffres imaginaires, mais je vous donne un chiffre. Pas imaginaire. Regardez les documents des premiers ministres Matata Ponyo avec les triumvirats qui se faisaient. Moi, je me rapproche sur les restitutions des réunions des triumvirats. Malheureusement, c'est des faux documents, c'est des faux résultats. Parce que voilà ce que le PNUD... Heureusement que le caractère faux, il est de l'apanage du juge. Donc, comme vous le dites, vous devez me présenter un jugement qui l'est dit. Non, je dis pas, je dis les faux chiffres. Je ne dis pas les faux documents, les faux chiffres. Il y a PNUD. Il y a d'autres organismes qui estiment que le chômage est resté à 96% au Congo. Donc Kabila, quand il part, il laisse le chômage à 96%. Sinon, les gens se discutent entre 93 et 96. C'est dans cette fourchette-là. Mais on est bien dans 90% de chômeurs, des jeunes inactifs. Ça, vous ne répondez pas. La question est de savoir combien d'universités Kabila a construites dans ce pays. Sinon, sur quelle ligne nous sommes en termes des universités dans le monde? Je vous rappelle qu'on n'est plus, on ne fait pas partie des 500 meilleures universités dans le monde. Alors que Kabila, en entrant dans le pays, il a trouvé que l'UNIKIN était la 62e université. On perdait déjà des points, c'est vrai. Mais on était 62e ou 63e. Aujourd'hui, on n'est plus là, dans les 500 universités. Dites-moi, ça, on dit que Kabila a bien fait les choses? Merci, M. Christian. Passez-moi le temps. Allez-y. M. Christian, moi, j'étudie. J'entre à l'université en 2005. D'accord. L'université de Kinshasa. Okay. C'est sous Kabila, sous le 1 plus 4. J'ai fini mes 5 ans sans qu'il y ait d'année blanche. C'est avec Kabila. Bien avant moi, mon oncle qui m'a reçu à Kinshasa, tous les jours, j'habite Matete, dans les camps militaires. Vitamine, Singa et Pateke. J'ai grandi là-bas. Les gens qui me connaissent savent très bien que pendant que j'ai fait mon université, je n'ai pas eu d'année blanche. C'est que quelques années avant moi, c'était la récurrence. Des années blanches et des années élastiques, et très élastiques. Très élastiques. Ok. La qualité de l'enseignement. Quand j'arrive à l'université, j'ai trouvé un enseignant d'université, mon professeur, Kalongomika, père son âme, qui nous dit qu'en 2001, lui touche comme salaire moins de 100 dollars. Professeur d'université. En 2001, c'est-à-dire quand Kabila est au pouvoir. Et quand moi j'ai fini l'université, il est dans les 1000 dollars. Prenons seulement cette fourchette. Ça voudrait dire que dans 10 ans de Kabila, de 2001 en 2010, au moins 100 dollars s'ajoutaient sur son salaire. C'est peu, c'est insignifiant, c'est modique. Mais c'est trop en termes de statistiques par rapport à ceux qui ont fait des 32 ans et celui qui n'a fait que 10 ans, si je prends la même mesure. Maintenant, sur la qualité de l'enseignement. Ouais. M. Christophe, je ne m'estime pas moins universitaire. Moi, je suis allé en France, je suis allé en Chine, moi, je suis allé aux États-Unis. Je suis entré dans les auditoires des universitaires. J'ai discuté avec eux. Je ne me vois pas moindre par rapport à cela. Mais le classement, arrêtons. Vous ne figurez pas. Excusez-moi que je vous en parle. Allez-y. Je suis une fierté, comme ma tata, d'avoir été celui qui est formé au pays et qui exerce des fonctions au pays sans avoir un complexe à l'égard de qui que ce soit. Sur les classements des universités, est-ce que vous pouvez reconnaître que la plupart de ces classements sont faits sur les capacités d'accueil? Ça, nous n'avons pas été très dynamique parce que nous n'avons pas eu beaucoup de moyens pour élargir les capacités d'accueil des beaucoup études. De moyens au Congo? Est-ce que je peux vous parler? Allez-y. Nous n'avons pas fait beaucoup et Kabila doit le reconnaître. Mais au moins, j'ai trouvé, quand j'entre à l'université, les hommes disent. Parce qu'aujourd'hui, les gens parlent de rénovation des bâtiments. Les hommes disent où moi j'ai habité, 13e couloir. Les gens qui me connaissent savent. J'ai habité dans un home bien d'être rénové. Le home Vatican était aussi. C'était avec Kabila. Alors, c'est que moi il a trouvé ça dans quel état? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il a trouvé, c'était la crasse. La crasse, hein? La crasse totale. Qui a détruit l'université? Qui a détruit l'université? Oui. C'est d'abord la période qui va de proclamation de l'indépendance à celle qui arrive à la révolution. D'accord? C'est pendant cette période qu'il y a eu les pires des saccages.
Et vous connaissez les partis qui se sont illustrés dans le pillage et le saccage des institutions et des établissements publics. Ça, on n'entre pas, c'est un débat long. Mais je veux seulement que nous puissions reconnaître que la décadence du niveau de l'enseignement, il ne date pas de l'arrivée de Kabila. Kabila a trouvé le niveau de l'enseignement à tous les niveaux au rabais. Il a remonté, mais il n'a pas atteint l'objectif. Vous êtes sûr qu'il a remonté? Il a remonté. Moi, je te dis, je ne suis formé que sous Kabila. Est-ce que vous pouvez lire aujourd'hui les copies de vos petits frères, de l'IFASIC, de l'UNIKIN, de l'Université de Mbandaka, de n'importe quelle autre école? Pouvez-vous lire leurs copies aujourd'hui et en être fier? Je ne suis pas. C'est la question que je pose. C'est ce que j'ai dit. Ouais. Ça dépend. Un, le système de la libéralisation de l'enseignement national, Kabila l'a trouvé. Okay? Et c'est ça d'abord notre première anomalie. Parce que la pilulation des universités privées et des établissements scolaires privés a dilué la qualité de l'enseignement. Qui a donné des agréments? Sous qui on a donné des agréments? Pouvez-vous dire aux Congolais aujourd'hui combien d'écoles Mobutu avait laissées sous Mobutu? Les statistiques parlent de 4 fois plus le nombre qu'on a trouvé. Dans les écoles qu'il y avait à l'époque de Mobutu, aujourd'hui il faut multiplier par 4 ou par 5. Ça veut dire que les agréments se donnent aujourd'hui comme des petits pains, comme des cartes SIM qu'on prend dans les cabines. Ce n'était pas Kabila qui a donné. Kabila, il a gouverné. D'abord, le 1 plus 4, il ne s'occupait pas de l'enseignement, n'était pas de son domaine. Est-ce que je peux? Alors, à ce moment-là, mais vous voyez ce raisonnement-là que je ne veux pas. Lorsqu'il faut parler de l'action du gouvernement, comme maintenant, on attribue au ministre départemental, lorsqu'il faut parler de l'ancienne gestion, on veut ramener tout au chef de l'État. Alors, reconnaissons maintenant, si vous prenez en termes de statistiques, dans 2 ans et les 10 ans, statistiques parlant, les taux d'agrément, il y reviendrait plus ou plus. Quand vous prenez sur les 10 ans et sur les 2 ans, vous allez trouver que les 2 ans, c'est un scandale. Non, ce n'est pas vrai, honorable. Moi, je suis promoteur d'une école. C'est pas vrai, honorable. Je suis promoteur d'une école, oui. Bon Samaritain à Lodja. D'accord. Je vous parle fièrement et j'ai des données. Je suis un enseignant. J'ai enseigné technologie moderne à Selemao. Donc, je vous donne des références. Je ne suis pas moindre dans ce domaine. OK? Je suis né dans une famille d'enseignants. Donc, ce que je vous dis, c'est des choses que je vois et que j'ai vu au quotidien. Dans 2 ans, beaucoup plus d'agréments que dans 10 ans. Oui, sur le plan statistique. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Voilà. J'essaie de comprendre. Très bien. Ah. On va évoluer. C'était pour moi un grand plaisir de continuer de parler avec vous. Merci. Et on poursuit la question. La rentrée parlementaire, Kabila au Parlement, les gens ont chanté. Il faut d'abord que je puisse corriger une information selon laquelle Kabila a été menacé au Sénat. Ce n'est pas vrai. L'information, c'est plutôt, comment dire, les Alokuta. Batikali qui a menacé Kabila dans l'Assemblée nationale, T, non plus dans la Sénat. Batouana, Batagi, qui a été mélayé. Il y a eu un peu de choses, Vanda, Sekouin, donc Pikama. Ce n'était pas des menaces comme les gens veulent faire croire aux gens que. Quand c'est une anomalie contre Kabila, vous avez la promptitude de démentir rapidement. Ah, ça, vous êtes spécialiste. Hein? J'ai mal fait. Non, vous avez bien fait. Je l'estime bien. Est-ce qu'il a été menacé? Non, je l'estime bien. Est-ce qu'il a été menacé? Non, on sait. Il n'a pas été menacé. Ce que je sais, c'est que toutes les institutions parlementaires étaient menacées. Moi, j'ai vu des vidéos. Non, non. Toutes les institutions, et si Kabila se réclame être membre d'une institution parlementaire qui a été visée par la menace d'un parti politique. La rentrée d'hier, c'est de ça que je parle. Okay. Avant-hier, oui. Oui, l'avant-hier, pardon. On a publié une vidéo comme quoi Kabila a été menacé. On écrit, c'est que le FCC ne vous a pas montré. Un peu comme pour dire Kabila a été menacé. Bah, pourtant, c'est faux. Kabila n'a pas été menacé. Au contraire, il a été adulé par des gens qui venaient l'accompagner. Il est très adulé à Kinshasa. S'il ose faire la marche des pieds, comme tant d'autres, hein. Il a plein de gens, mais seulement lui, il est de la culture de la paix et que ces gens, il les empêche d'aller détruire les immeubles de Ngoï Kassanji, d'aller détruire la résidence de Jean-Marie Kassamba. Honorable, je vous invite. Ça, Kabila n'envoie jamais des gens faire ça. Je vous invite de ne pas rentrer sur ce terrain-là parce que nous avons des partis politiques où les gens ont été calcinés. Autant que le PPRD a été. Ce que vous ne dites pas aux gens, c'est qu'avant que les gens soient calcinés à l'UDPS, ces gens ne devaient pas commencer par calciner les gens du PPD. Vous ne les dites pas, monsieur Christian. Non, les gens n'étaient pas calcinés. Non, mais moi, je vous dis. Des bureaux brûlés. Pas des personnes calcinées. Mais combien il y avait de morts là-bas? 3. À l'UDPS, il y en avait combien? Moi, je ne sais pas, je n'ai jamais compté. Ce qu'on a vu, c'est des cercueils embellis qu'on ne voit jamais des visages. On ne sait pas si c'était des pierres qui étaient à l'intérieur. Arrêtons de mentir. L'intoxication n'est pas une bonne chose. Il y a eu des morts, je ne le reconnais pas. Moi, je suis chrétien. Il y a plus de 4 personnes qui ont été brûlées vives, exposées les corps là-bas. Mais je vous dis,
Il n'y a pas longtemps ici, pendant les confinements, il y a un parti politique qui a fait tuer 6 personnes. Quel est le parti politique qui a fait ça? Ah, vous ne savez pas? Dites-moi les partis. Moi, j'ai vu en tout cas M. Augustin Kabouya en train de crier qu'il y a 6 morts déjà, rentrons déjà, et nous allons demander la démission de Kan Kondé. J'ai déjà vu ça. Mais qui a tué? Qui a battu les gens? Ah, mais il faut lui demander. Il a dit lui-même dans cette vidéo, il a parlé de la police. Vous faites une sélection. La police qui interdisait à ses partis politiques et dit « Votre ministre de l'Intérieur a dit... » Il n'y a pas marche. Nous voulons respecter les chefs d'État qui a dit pas de rassemblement de plus de 20 personnes. Son parti politique s'est réuni avec ce qu'on appelle le Parlement debout. On s'est réuni plus de 20 personnes. Tout au long du confinement, les partis qui a le plus donné de la honte au président de la République, c'est son propre parti politique. Il ne le respecte pas. Tout ce qu'il dit, c'est comme allez voter CIA, il crée une autre affaire. Allez, ne vous rassemblez pas. Son parti se rassemble chaque jour au marché. N'allez pas vendre, ils sont là. Ne faites pas. C'est ça le parti politique. C'est ça l'alternance. C'est ça la démocratie. C'est sans les combattants. Et je comprends que ça vous gêne leur manière de faire les choses, mais il faut non, ça ne me gêne pas. En tant qu'individu politique, ça me gêne surtout en tant que citoyen respectueux des lois et surtout du chef de l'État. J'aurais bien voulu qu'un membre de l'UDP soit là pour que vous puissiez faire un débat. Malheureusement, je ne le représente pas. On peut poursuivre notre... Je sais que vous représentez très bien l'opinion UDP. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Tout le monde vous a déjà reconnu. Comme j'ai vu des commentaires de certains de vos journalistes qui ne savent plus mâcher les mots sur vous, mais peut-être qu'ils ne vous connaissent pas bien. Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Ah, si c'est mort, les gens pouvaient mourir parce qu'il dit Kabila serait mort déjà. Heureusement que vous le dites. Voilà. On a même dit qu'il n'est pas congolais. Vous vous rappelez bien. Bon, on a même fabriqué ici des gens, non? Je suis la fille de, le fils de, la fille de, tout ça. Même si ça fabriqué ici. Non, mais vous en parlez. Mais pourquoi vous avez peur de parler, de faire le test d'ADN? Le gars ne vous a pas manqué de respect. Il a juste demandé le test d'ADN. Pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous gêne? Ça ne m'a pas gêné. Alors, moi, par exemple, j'en ai déjà entendu. J'étais dans mon petit séminaire. Quand j'entendais quelqu'un, le grand frère, le grand-père, Jeannot Mbadi, qui ne reconnaît pas quelqu'un, une grande personnalité comme étant son fils. Un papa dit ça de son fils. Mais je l'ai vu, quand cette même personnalité, embêtée par la justice, je l'ai vu tomber de crise. Et ça, ça me rappelle ce que ça veut dire la politique. Et pour ça, je vous donne raison de dire qu'on a peur. On n'a pas peur. Mais seulement, nous disons, en politique, on sait fabriquer d'actualité. Et lorsqu'on veut nuire, on veut seulement créer une digression. On la crée bonnement parce que maintenant, c'est la diffamation numérique qui prend place des pressions sociales sur les gouvernances. Très bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont plus d'arguments, qui m'accusent, qui m'attribuent des propos, qui m'attribuent une position. Non, on ne vous attribue pas. Réalisez-vous vous-même et vous allez voir. Non, c'est sans photo. Genre, ça, je peux vous dire en face. Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je soutiens une opposition. Je soutiens une opinion. Et mon opinion... Commencez par reconnaître que grâce à Kabila, nous avons commencé à discuter. Il y a le seul pays dans la région qui a autant de chaînes de télévision. C'est pas grâce à Kabila. Mais c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose d'avoir beaucoup de chaînes de télévision. Non, vous n'arrivez pas à le contrôler, c'est l'anarchie. Non. C'est pas une bonne chose. Ah, maintenant qu'on a déjà réussi à les contrôler. Non, mais c'est pas une bonne chose. Donc ça continue. Vous venez de créer. Les Kino achètent pour les jeunesses chaque année une chaîne. Les jeunesses à Kinshasa ici. Vous avez parlé d'arnaque. Il y a beaucoup de jeunesses qui arnaquent les Kino ici. On leur achète des chaînes, ils deviennent des députés, ils s'en vont. J'ai peur de ce que les Kino comme ont rendu des gens nobles alors qu'eux-mêmes souffrent chaque jour. Oui, un peu comme on a rendu la Kabylie très riche, vous savez, c'est des gens qui sont venus, il y a une opinion qui dit... Tu me vois, moi, hein? je suis de la Kabylie, je suis très pauvre, je suis né dans la pauvreté et j'ai grandi dans la pauvreté. Mais je suis fier de l'être. Vous n'avez pas encore géré, on a vu des gens venir sans compte en banque, sortir milliardaires dans ce pays, on les connaît. Donc, n'allons pas sur cette terre. J'ai vu aussi quelqu'un venir en 2 ans, il s'est tapé de résidence partout, alimenté 7e rue, tout est acheté, tout ça. Ça, vous ne dites pas. Vous n'avez pas de preuves, mais nous. Ah, vous avez des preuves. Bien évidemment. Vous n'avez jamais balancé les certificats. Nous connaissons les photos, comment vous êtes venu. Nous connaissons comment vous êtes venu, comment vous étiez habillé, on connaît. Si vous prenez ma photo dans mon village là-bas, et vous me voyez moi en veste aujourd'hui, vous allez me trouver que j'ai changé. Pas vous qui avez géré le pays. Il ne faut pas confondre le fait de grandir et le fait de gérer, de se faire responsable au fait d'être peut-être militaire en pleine forêt. Il y a l'article 9, vous êtes avocat, il y a l'article 9 de la Constitution que vous ne respectez pas. Monsieur Kabila a fait la déclaration des biens où a-t-il fait sa déclaration des biens? La Constitution le dit, l'article 9, si je ne me trompe pas. C'est clair que le président de la République... Est-ce que vous pouvez me rappeler que cet article exonère le chef de l'État actuel? Non, pas du tout. Il l'a fait où? Le chef de l'État? Oui. L'actuel? Oui. Oh, mais c'était clair, tout le monde a vu.
Tout le monde a vu la présenter. C'est bien. Est-ce que vous pouvez me les présenter? Quoi, je vous enverrai le lien. Ah, moi aussi, je vais vous enverrer parce que moi, j'étais avocat des membres du gouvernement à la Cour constitutionnelle pour déposer la déclaration du patrimoine. L'honorable Sio Kitundu. Oui. Moi, je suis allé déclarer en son nom, comme avocat, son patrimoine. Oui. Il n'était pas au pays. Mais est-ce que tout le monde a fait ça? Parce que ce n'est pas un acte collectif, c'est un acte individuel. Si la Cour constitutionnelle connaît le règle. Si quelqu'un ne l'a pas fait dans un certain délai, il est censé démissionner. Si Kabila n'a pas démissionné. À la sortie du mandat. À l'entrée. Et à l'entrée et à la sortie. Oui. À l'entrée, si quelqu'un ne l'a pas fait. À l'entrée, il déclare. Pour la plupart des cas, à l'entrée, il déclare. Mais c'est à la sortie qu'il ne déclare pas. Non, à la sortie, il a déclaré. Qui a déclaré? Kabila a déclaré? Oui. Vous avez le livre? Oui, je vais vous envoyer. Ok, je serais content de voir ça. Oui, il l'a déclaré. Oui. C'est comme ça que. Vous avez vu ça? Oui. Ok, il fait combien? Combien de parcelles il a? Non, moi, je ne peux pas vous dire parce que... J'ai vu, mais je ne pouvais pas prendre le temps de comptabiliser. Pourriez-vous m'envoyer le lien? Je vais vous envoyer. Je serais très content, les auditeurs. Je vais vous envoyer et je peux vous rassurer que c'est vrai. Très bien. Les téléspectateurs comprennent que cela a été fait comme ça. Alors, c'est vrai qu'on n'a même pas eu le temps de parler de beaucoup de choses dont on voulait vraiment parler. C'est vrai. La rentrée parlementaire, pour terminer, faisons une petite digression. La rentrée parlementaire. Je voudrais que vous puissiez promettre aux Congolais de revenir plus tard sur la question, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps. Mais citez-nous deux ou trois grands enjeux de cette rentrée parlementaire. Rentrée parlementaire, nous avons un problème. On a voté un budget, le budget n'a pas été exécuté jusqu'à présent. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que le gouvernement n'a pas été à la hauteur des assignations que le président de la République a voulu qu'elle s'approprie? Donc, et nous sommes là en train d'avoir du papier comme budget et non des faits et de réalité. Donc là, c'est le premier problème parce que notre constitution a voulu que cette session soit qualifiée de session budgétaire. Donc, nous avons là-bas un problème avec l'ancienne loi budgétaire votée. Nous devons la rectifier. Et nous devons voter la reddition des comptes pour l'exercice budgétaire qui est déjà dépassé, celui de 2019. C'est un enjeu important, les gens négligent, mais nous allons au moins avoir la chance de savoir qu'est-ce qui a été fait sous la présidence du président Félix Tshisekedi, avec la première loi de la reddition des comptes sous Félix Tshisekedi. Alors, nous aurons aussi, par la volonté de la Constitution, le droit d'examiner le nouveau budget de l'exercice qui va venir. Est-ce qu'il va falloir accumuler toutes ces trois propositions? Est-ce qu'il va falloir commencer par rectifier ce que nous nous sommes donné comme assignation qu'on n'a pas pu faire? Et puis venir voter la reddition de l'exercice qui est déjà passé? Et puis espérer atteindre celui des projections que nous voulons faire pour l'exercice 2021. Alors ça, c'est un enjeu important. L'autre enjeu important, est-ce que notre Parlement sera toujours l'esclave des gens qu'on appelle communément la wivacratie aujourd'hui, qui contient comme pouvoir des gens qui viennent tuer les députés, on les envoie tuer les députés parce que l'assassinat et les crimes crapuleux, lorsque c'est fait par certains gens, c'est rien, c'est vrai. Lorsque c'est fait ailleurs, on attribue tout ça à l'ancien régime, à l'ancien président de la République. Aujourd'hui, on ne sait rien attribuer au nouveau président, quand bien même son parti qui est à la manœuvre. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Est-ce que nous avons voulu une démocratie où les institutions ne se respectaient pas? Nous allons voir, et c'est un enjeu de cette session parlementaire, si le gouvernement sera même de protéger les députés et les chambres parlementaires, notamment préserver l'inviolabilité de ces enceintes. Mais nous allons aussi avoir comme enjeu la collaboration interinstitutionnelle, notamment ce qui concerne les ordonnances du chef de l'État sur la mise en œuvre de ces réformes, notamment à la Cour constitutionnelle. Le président de la République a remplacé ses juges. Bato y sengeli ba juge mokonza mboka, azui bango, alongoli bango, azui bato baza lokola bandeko naye, atye bango kuna. Est-ce que mbondeko naye akoya kokoka ko juge, ce qui réellement asali beba, wana ne makamu il faut tout tala, pe e otokotala na session e otala, ce qui réellement est komeli parlement na biso, notamment Assemblée nationale. Mais tout autant, à tout état de cause, cette session s'appelle budgétaire et nous voulons être focalisés là-bas, en même temps renforcer les contrôles parlementaires, notamment sur la gestion de Covid, mbongi kye beli à Bakongole. Insécurité, bon, mais tout le monde est le côté. Défense, bon, tout le monde est le côté. Nous sommes singuli, tout le monde est là. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que je reviendrai avec l'honorable Adrien. On sera ici. Hein? Donc, l'honorable va me faire encore l'honneur de revenir pour évaluer encore cette fois-ci. Le Christian M. Bamotapé PRDT, tout ça, Mbamotapé PRDE. Et plus, ce n'est pas un militant, c'est un cadre, et non seulement cadre élu du peuple, donc aux Anaïens. Avec lui, tous les autres membres du PPRD viendront, quoi. Il n'y aura pas de problème. Honorable Monique, tout s'est bien passé. Je ne vous ai pas mis mal à l'aise, n'est-ce pas? Non, moi je suis très heureux. Je vous ai dit que je vous ai apprécié parce que vous êtes de la hauteur, parce que vos compétences intellectuelles ne sont pas à démontrer. Et moi, j'estime que vous devez atteindre aussi les compétences démocratiques en tant que
L'idée est tolérante. Merci beaucoup. Je crois que le prochain rendez-vous, ça sera quand déjà? Vous m'invitez n'importe quand, sauf votre empêchement qui ne dépend pas de ma volonté, je serai toujours là. Il est honorable député élu de Katakokombe. Il a un mandat national. Il est du peu perdé. Son nom, c'est honorable Tamboué Katamboué André. Alors, honorable André, non, et monsieur Nabisso, tout ça, là, la dernière étape, hein? Bah, question piège, je ne te le bats pas. Mickey, il répond de gars, comme oui, non, et ainsi de suite. Et puis après, on passe un numéro. Pour nous, Tony, on a besoin de continuer le débat. Il a élu, vous serez là. Honorable, Naniaza, l'homme le plus dangereux dans le cannabis, je vais dire nuisible dans le cannabis. Congolais, Oyo, à l'ingi démocratie. Parti politique, il y a désordre, Ming, et dans parti politique, Nini, comme bon. Parti politique, il y a des ordres de Ming, ils ont parti politique, ils ont structure, ils ont parti politique et Misusu, et Karnaka, culture et violence. Ce qui est Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, la balance, il y a démocratie, il y a l'équipe Muninga, il y a compétence démocratique. Kabila n'a pas de compétences démocratiques à se comparer avec quiconque parmi les vivants aujourd'hui au Congo. On peut tous les critiquer, sauf ignorer que la démocratie, en tant que jeu de compétition et de la tolérance, Kabila n'a pas d'égal. Nabolingo ya peuple, entre Kabila na Félix Tshisekedi, nanya l'équipe Muninga nabolingo ya mboka. Na kanisa ki peuple d'abord, ils ont la devise ya monene ya parti politique oyo sala ki mokonza mboka oyo toza na elelo, mais na moni na moi ngonga moke oyo sali. Moi, ma contradiction est allée au point que Nasa a toujours réconforté l'idée que Kabila n'a pas passionné à Congo, à la qui si moi bolingo, tant que Zako Boya, Batoba Koufa na Congo, tant que Zako Boya, Batoba Salema Mabe, et que Kimia est au-dessus de ma positionnement na biso Batou. Félix Tshisekedi, est-ce chef coutumier, chef tribal, chef d'État ou homme d'État? Nalingi ko juger Mokonza Mboka d'emblée. Mais je plutôt que juger entourage naé, on a comme on a tel que Bazo Sungaé n'a pas comme homme d'État ou biso Tobandaki Kozela. Plateforme Ninu est la plateforme sérieuse, ou est la porteur, ou porteuse, il y a espoir, il y a Congolais. Comment on dit? L'attitude de la famille politique ou yangaï et la kisi, n'a qu'au tambour na balabala, pour n'a qu'au réclamer que non, la Congo, l'institution est vanda. L'attitude de la parti politique, la plateforme, ce qui est salibé, c'est bandimi bazongi sima. Na makambo ebele, na makambo etali loi sakata, na makambo etali ministre Tunda, na makambo etali ministre Doli Makambo, na makambo etali. Mais na ba parti politique otomona ke ataba soupçonné yo koyibi mbongo ya COVID ozaka kana fonction, ataba soupçonné o détourner mbongo ya ba route na kananga ozaka kana fonction, na ba parti politique otomoni bato batini bato na nzela ba kufa, ba ka affronter ba boma ba policier ke bakangi mutute, bato ba organiser pe ba milice ba procès ya eliki na public. Été tolingi koloba été famille politique o yanga na za fier nango na oyo basal la kisi jusqu'à présent en termes ya tolérance puis capacité ya ko solo la na kade ya ko préserver kimia na kata Congo. Deux questions pour tous ils. Félix Tshisekedi ayebi bokokamba mboka to ayebite Mokonza mboka akambaka ye mokote akambaka na ba collaborateur na ba institution nyonso. Le long jugement esengili to sala po na ye esengili nanu to invité nanu ayeba ko collaborer na ba institution nyonso. Moyen to banda ko loba sikoyo ka yebi ko kamba mboka te, mais to lingine to la kese ke soka continuer na lire oyo azo risquer aza na jugement moko eza mitigé. Place à Kabila est dans la prison to ezali la liberté. Place à Kabila esengeli ba monument et salema lo lengende la kisibiso ke non attaque mabe ko kiko salema na tango ya zalaki mais esengeli mutu aye ba un moment donné na jeune âge na atiki kibokonzi atiki bato mususu et puis ye moko ami fukameli mibeko eza lo lenge moko ata to lina mutu ata bomela biso ata to asala biso nini to ye ba ete Kabila zalaka mabe te biso ba collaborateur na ye ndo to salaka mabe et puis impacta kakaka ye nde lelo to koloba pe tana mokonza mboka ke non ba collaborateur na ye baza ba radiko misusu o ba ko tia ye na kokoso 10 ans après a kozala misusu le même oaza lelo nde Kabila yaka 10 ans to banomo na effort et puis après na force ya ba pression akiti ba akomi inconsommable indigeste na opinion
Est-ce une certaine opinion, notamment, il y a ma grande ville, Mibale, il y a Kinshasa, na Bujimai. Mais après ça, to yebiete, Joseph Kabila, Azam Motumoko, on a eu à Saline, na Kat Afrique, na Bissoyo. C'est un monument vivant. Et c'est un monument vivant. Il y a un monument. À la taille masquée, à la taille cachinée, le jour où on a rentré par les montagnes. Effectivement, et comme Mikolo, on a eu le moussous, on a l'attaqué pour nous éviter l'infection, pour nous transmettre l'infection, et on a boré. Donc, moi, je peux l'attaquer publiquement, je vais faire la publicité, il y a un produit, il y a un attaque, mais il y a un attaque, mais il y a un attaque, 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 il y a un critiquer. Merci beaucoup, honorable. Merci. Mesdames et messieurs, ça a toujours été un plaisir de faire une émission avec un politicien. En fait, tout ça, à un moment donné, on a un adversaire politique donc, qui doit t'attaquer. Merci, ça a été un grand plaisir. Honorable numéro, pour le moment, on a besoin de contacter. Numéro Nanga est 081-564-0016. Honorable André Tambo, Katambo, élu de Katakokombe. Territoire patriotique d'origine, messieurs, l'héros national Patrice Emery Lumumba. On a été là, Kemafumbe. Kemafumbe. Et de Joseph Okito Dimba, qui est mort aussi avec Lumumba, que les gens ne citent pas. Très bien. Moyo, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Alors, plus précisément, la carte de Washington. Alors, maman Marthe, n'est. Maman Marthe, n'est. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais quand t'es un gnosso, il y a un gnosso congolais. On y dit, mais qu'on a eu à ça, il s'est ajouté. Bon, la Corée, la Yon, comme bon, la Yon. Bon, la Toto, la Yon, comme il y a une. Bon, comme bon, la Yon. Alors, puis, bio. Bio Africa Union et tout est comme la machine, sinon vous voyez pas, sinon vous voyez rien. Vous voyez quoi, 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 vous Pour pas tout comprendre, pas congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, puis nous m'envoie. Pas quoi de la vie, Coréenne a perdu. Loye Bolonde de la Lisa.